responsable sécurité sous phénomène insécurité à Cap Valley Terrain. Le pays a coordonnateur général syndicat police nationale pays d'Haïti, Jean Hilder, lundi exprimé quelques réserves sur information qui parlait sous assassinat et délégué SPNH Tanguy Geoffrard. D'après inspecteur police à information, ça y a circulé sous réseau social yo depuis week-end passé. Il y a une information qui t'a dû prendre avec pincette, même pas rapproche Gerbio, pas gagné aucune nouvelle de lui jusqu'à présent. Jean-Hilder lundi, par raté occasion pour rappeler même syndicat police nationale l'a subi gros persécution depuis quelques temps. Écoutez plus détails avec Jean-Hilder lundi qui t'est parlé dans téléphone avec Jean-Paul lundi. C'est à travers les réseaux sociaux samedi et dans l'après-midi que nous commençons à voir des images qui viennent jouer nous et que nous-mêmes au niveau SPNH nous contactons les familles, nous contactons les gens que nous connaissons, que nous avons avec les gens, Fréli, tout ça. Mais quand même, nous pas jouer aucune bonne information. On t'a vraiment dit que effectivement que Gerbi Geoffrard mourir parce que ni maman ni papa ni frère ni seul que nous contacter c'est même questionnement y a fait même j'avais non yo dit que yo pas comprendre ça qui passait juste à vous nous même dans la SPNH nous pour comprendre ça qui passait exactement on t'a dit la mort parce que nous pas joindre rien qui t'a fait nous penser à la mort sauf que nous connaît que Gerbi Geoffrard c'est un monde qui est très pragmatique dans sens ça nous pas vraiment pas pressé pour nous parler de la mort parce que nous pas qu'à retrouver cadavre information ou pas vraiment puzzle la main qui en pile partie là-dedans pas de cadavre nous pas raconte qui côté ça arrivé nous croit que nous obligé était très prudent pour nous affirmer ou bien infirmer nouvelle ça que nous venons de Gerbi Geoffrard qui s'est délégué SPNH. C'est une vie que nous pas souhaité côté que n'a pas sillonné ça et là parce que il y a des côtés noyés, côté un style pas bon, faut que nous oublions déplacer, n'a pas une vie que nous pas vraiment souhaité. Mais quand même, n'a pas géré tête. Heureusement, c'est des bagages qui pas éternels, nous connaissons qu'un jour, n'a pas sorti dans sa noyé. Tout ça, ouais, qu'a privé, là, c'est dans le cadre de persécution, répression syndicale. L'État parle des syndicats, bien que nous sommes structure qui est légale, nous reconnus par le ministère des Affaires sociales. Nous-mêmes, n'a pas assuré, nous, que nous étions vivants, que nous étions, en termes de structure, pour nous étions, pour nous exister de manière pour nous capables toujours travailler pour nous porter santé carrelé une meilleure vie pour policiers parce que nous-mêmes nous sommes structure de droit monde que nous y nous connaît que bataille pour la vie meilleure pas facile en Haïti mais n'a assuré nous que nous exister et que pour nous être toujours là en termes de structure légale pour nous porter revendications policiers. Doyen tribunal première instance et Port-au-Prince après la chute sur demande d'Abers Corpus avocat Belson Groneg yo te fait en faveur ancien porte-parole SPNH lan yo considéré comme un prisonnier politique côté audience a programmé pour vendredi 7 mai qu'a venir là c'est une nouvelle qui réjouit Jean Hilder lundi coordonnateur général syndicat police lan Jean Hilder lundi espéré y a besoin de libération ancien porte-parole police nationale lan y a gagné yon demande en Abers Corpus préventive mercredi 12 mai cap venir là en faveur tout membre syndicat qui gagne avis recherche d'yo pour permettre yo capable reprendre la vie normale yo en côté Jean Hilder lundi qui est dans micro Jean-Paul lundi. On a car personne connaît là nous connaît que tribunal yo gèlè fait un petit Jean yo font petit ouvri dossier au déposé déjà il y a tant de dossiers à personne connaît là en habeas corpus ce vendredi même m'a profité saluer staff avocat cap mener dossier ça et mettre Anel Rémy mettre André Michel mettre Fritz Jean-Fritz Magny plusieurs autres avocats encore Caleb Jean-Baptiste tout le monde ça qui font faisceau mettre Palvin cap bataille bon côté nous pour capable arriver joindre habeas corpus pour nous joindre libre à Belson Groneg. Mais tout faut moins que habeas corpus Groneg là c'est un habeas corpus régulier mais gain un habeas corpus préventif tout qu'a fait pour nous-mêmes qui gain mandat d'amener derrière nous qui gain avis de recherche habeas corpus préventif là l'aimer pour le faire mercredi prochain qu'a venir là de manière pour capable caser mandat ça pour nous capable retrouver vie normale. Hier lundi, il y a eu une grosse réunion qui fait parce que t'ai qu'un chèque près de plus de 60 policiers qui sont censés lier de près ou de loin avec SPNH 17. DGPNH a fait une réunion avec policiers ça et après réunion elle remet toute police 60 policiers ça chèque yo. Mais gon côté que DG a dit dans réunion elle dit pas gain problème avec SPNH. Et nous bien content de dire ça, il dit pas gain problème avec SPNH, il dit gain avec des autres yo. Et SPNH c'est syndicalier
SPNH pas jamais dans des ordres. Et que si déjà qu'on n'a pas révolu avec SPNH, on a demandé pour prendre des mesures pressées pour retirer le mandat derrière nous, pour libérer Abel Sangonek, pour retirer la vie de recherche, et que pour nous mêmes policiers, pour nous capables de parler de GPNH, pour nous aller prochain avec nous, et après, si l'instruction générale vient pour avec nous, prêt pour nous connaître qui ça est général contre nous, pour nous retrouver vie normale nous en tant qu'institution ça. Que moi-même personnellement, j'ai plus de 25 ans de carrière en dedans et me prêt pour me continuer de travailler en dans institution et en dans SPNH pour nous capable changer la vie policière. Nous croyons que nous avons pris des GAO, si ce n'est pas un problème avec SPNH en tant que structure syndicale, nous avons demandé pour prendre des mesures pour lui capable mettre tout policier qui est dans SPNH à l'aise pour fonctionner dans le pays et pour évacuer régulièrement à l'activité syndicale. Voilà, au tap côté, Jean-Hilder Lundi, qui lui-même a exigé libération à Belson Groneg, qui c'est ancien porte-parole SPNH 17. Est-ce que gagné une possibilité pour Jovenel Moïse de quitter pouvoir avant 7 février 2022, Pierre Renel? En tout cas, gagné dans le niveau exécutif là, il n'y a pas envisagé option ça d'après Premier ministre par intérim. Toutefois, Dr. Claude Joseph fait connaître une discussion qu'après poursuivre en différents secteurs dans la vie nationale là pour y mettre campé le gouvernement Union nationale en temps qui pas trop long. PMI a souligné équipe qui sous pouvoir a toujours été attachée à l'organisation référendum constitutionnel là. La compétition électorale à Jean ça prévoit pour Anessa. Quant à ça qui vient pour avec préoccupation communauté internationale là sous démarche ça, Claude Joseph rappelait c'est un acte souverain côté comité consultatif là a pas seulement gain pour prendre en considération réserve yo exprimé on côté Claude Joseph mi premier ministre AI l'était dans micro Johnny Ferdinand. Jean président toujours fait là, les lancer et dialogue là, parce que pour le président de la République là, le dialogue est permanent. Le dialogue est permanent. Gagné en pile monde déjà acteurs politiques ou bien protagonistes qui mettaient d'accord sous principe dialogue là. Parce que faut nous aboutir avec un gouvernement qui pour assurer continuité de chantier ça, nous souhaitons parler là. Référendum constitutionnel là et élection qui vient pour venir là yo pour être capable de renouveler personnel politique là. Option qui t'a dit le président de la République là qui pour mettre clé en bas porte là n'est pas même envisageable puisque le président est élu dans l'élection 2016 yo avec 56% des suffrages qui exprimé yo ba résultat yo en janvier 2017 et prêté serment 7 février 2017 et nous connaît en Haïti un président qui servi pour 5 ans. Donc 7 février 2022 il va aller comme ça, il va aller pendant que l'a remplacé par un président qui est élu démocratiquement. Ça c'est un exercice assez intéressant, c'est la pédagogie de l'alternance démocratique qui passait par le respect du verdict des urnes. Ça c'est le premier bagage. Mais deuxième bagage là c'est que pas pour me remplacer ou pas. Parce que moi-même qui là, moi c'est mon premier ministre pour un petit bout de temps. C'est ça que fait le président, il choisit parce que moi connais que il y a un pile démarche qui a fait pour nous aboutir à un gouvernement de consensus dans tête d'un premier ministre et définitif. Et qui te dit d'abord que un référendum, c'est un acte de souveraineté. Il est essentiellement concerné, nous sommes capables de dire, les Haïtiens, n'est-ce pas? Et c'est eux-mêmes qui vont décider si oui ou non, est-ce que ils veulent un référendum pour changer la constitution. Fort heureusement, il y a 3 sondages qui sont réalisés par 2 firmes différentes. Yon Zebride, qui ont expertise dans la question de réaliser sondage, les réaliser 2 sondages. Et résultat, 2 sondages, ça y est, dit clair que plus que 85% de la population voulait yon l'autre constitution. Yon pile l'autre thématique que yon abordé effectivement, mais qui était moins dit ça et 2 sondages ça yon dit. Maintenant, yon l'autre sondage qui est réalisé par, bon, faut me dire que dans 2 premiers sondages, c'est des échantillons aléatoires. C'est-à-dire que, à plus que, et puis, taille échantillon était vraiment grand pour spécialistes. Maintenant, yon deuxième sondage qui est réalisé par une organisation anti-gouvernementale, qui est Haïti Nouvelle. Sondage ça a tout dit que 87% population livrée ont l'autre constitution. Donc, c'est population qui m'a dit ont l'autre constitution. Ce n'est pas gouvernement et
inquiétude qui est exprimée de la part de nos amis de la communauté internationale, gain la d'ailleurs qui est fondée ou légitime. C'est peut-être ça. Nous-mêmes, dans le gouvernement, et nous demandons pour le comité consultatif indépendant à l'écoute de préoccupations communauté internationale là et comment pour y adresser. Effectivement, un référendum doit être un processus qui est inclusif. C'est peut-être ça, encore l'autre fois. Président, l'initier, ça fait un bon bout de temps, processus dialogue. Dialogue là pour permettre que gouvernement qui va le gagner avec notre tête un premier ministre définitif pour le cas assurer continuité de l'État, particulièrement dans deux grands chantiers, ça y est, référendum constitutionnel et élection. Moi, je pense que gagner des nuances et que nous devons clarifier dans la déclaration et président. Sous question motivation politique qui gagne dans le kidnapping, je ne sais pas quoi qu'il y a qui ne connaît que, eh bien, un bon matin, il y a une série de monde qui a kidnappé, qui n'a pas aucun intérêt là-dedans pour kidnapper. Seulement intérêt qui gagne, c'est pour faire secteur ça, lui-même, lui mobiliser et organiser, dit à bas kidnapping, et malheureusement, il y a une infiltration qui dit à bas président, etc. Ça veut dire que gagner un kidnapping qui ciblé qu'a fait dans des secteurs bien particuliers, c'est des secteurs névralgiques, y en dans la société. Donc, lien capable d'établir rapidement. Mais ça qui est plus important, je dis. Dans la classe politique, là, même j'ai en un gouvernement, il y a un pile petit Joseph, petit Moïse, petit Pierre, petit Jacques. Il faut que tout petit ça yo chita ensemble parce que dialogue politique, là, accord politique, là, c'est pour lui, c'est pour yo lié. Nous, il faut yo transcender. Dans le sens que, faut que yo pas quitter des mains qui mènent yo qui pour imposer yo chita avec Ti Moïse qui semblait même Jacques yo pour nous joindre un dénouement avec crise. Caraïbes FM Journal Créole, première occasion après poursuivre opposition branche nord-ouest, l'encrasé en conférence débat qui a été organisé dans la commune Jean Rabel, Aye Madian. Plus de détails, correspondant nous, Wak Juvens Clavel. Clavel, bonjour. Bonjour Gaillet, bonjour Pierre Enel, bonjour Bobsé, bonjour Galvez, bonjour à tout le monde nord-ouest, Caraïbes Journal, première occasion, Grand Boulevard. Via Radio Dari FM 97.5, Radio Génération 88.9, Radio Télé Descend dans la commune Charabel. Opposition dans le nord-ouest, crasé en conférence débat, Conseil électoral provisoire organisé dans la commune Charabel, AMA du 4 mai 2021. Ce panel-là, c'est le conseiller Nadia Amédée, accompagné président Bête Nord-Ouest-là, M. Kelly Hippolyte, qui t'a tenté de présenter la conférence-là sur le référendum-là. Professeur Mertilis Andalas, accompagné avec plusieurs autres membres qui font partie de l'opposition Nord-Ouest-là, t'es rendu sous place dans la commune Jarabel, et puis râler plusieurs articles dans la Constitution 1987-là, qui montrait à clair gouvernement en placement par gain pouvoir pour parler des réformes constitutionnelles. Finalement, population dans la commune Jarabel, t'es porté si pour eux avec membres de l'opposition Nord-Ouest, côté yo et les chalbarés des deux conférences qui t'ont pas tant pour mettre vent dans le professeur Mertilis Andalas considéré ça comme une première victoire pour mettre fin à la question référendum chef de l'État haïtien, président Jovenel Moïse, a prôné. Cependant, membre opposition nord-ouest, il dit, bataille là pour qu'on finisse, il y avait en haut, en bas, pour pas gagner aucune conférence sur référendum qui est réalisé dans la région nord-ouest là. Dans de près, Wak Juvens Clavel, Caraïbe FM. Merci un peu, Wak Juvens Clavel. N'a pas avancé avec Journal Lance ou Caraïbe FM 6h46 minutes dans matin. J'en ai déjà annoncé dans Journal Lance et commissaire gouvernement, Paquet Semaclan, M. Hugues Sylvain, dit le paré pour mettre en bas code une autorité dans la ville qui a manipulé la presse dans le cadre de dossier en mort Dr. Dulensky Souverain Durandis, alors qu'il n'y a pas révélé l'identité citoyen ça. Chef Paquet Semaclan seulement fait remarquer la mette la patte sous citoyen ça. M. Hugues Sylvain, qui gagne l'aide ministère de la Justice, qui nomme comme juge dans coup d'appel Gonaïve, dit le papa abandonné poste pour brigandage vin fête. Tout en ministère l'en pas encore désiré yon l'autre monde qui pouvait prendre tête Paquet Semaclan la fait travail comme ça doit. On suit un reportage en mi-audité avec Nixon Dedeus, correspondant nous depuis la Balatibonite.
n'est pas bien utilisé pour persécuter les gens. Ça me clair avec vous, quel que soit le secteur de l'IA, je ne suis pas juste dans mes gens. Nous sommes un entier qui ont de grandes personnalités. Je ne suis pas fait job ça pour quel que soit le monde. Même les gens qui n'ont même. Déclaration commissaire gouvernement Saint-Macla, maître Hugues Sylvain. Chef paquet qui pas mettre de l'eau dans la bouche, dit qu'il pas quitter personne, servi à position occupée, je ne vous dis pas, non appareil justice là, pour ça image aucun autre monde. Maître Hugues Sylvain, qui pas révélé identité, qui autorité qui a fait pression sous lui, pour ta défié travail li, dit pas pour mettre la patte sous autorité ça si toutefois l'état joint li coupable. Bon autorité dans ville là qui de confrère m'arrêter qui détournait près de 7 millions gourdes pour Jean Robert. Et bien c'est lui même qui a mis grâce toute bagaille ça. Comme si on pas qu'arrêter fraud parce que autorité et vous devez la voler pour vous. Et me bras la fond pour vous dossier ça pour moi si même monsieur va la donner. Et depuis même la donne m'a arrêté. Face à toute tractation ça yo pour ta forcer abandonner poste li prématurément, chef paquet a dit la résisté malgré les lettres qui nommait comme juge dans coup d'appel tout autant ministère pas désigné une autre personnalité ministre pour qu'on désigne monde pour remplacer puis m'a viré d'homme qui fait paquet puis on vient nous faire brigandage ta faire moi connais tout monde qui des mouvement ça voler terre cap couper tes banais parce que même dit ça suspend on est pour monter son tête pas pour m'a parler tout représentant société a qui vanté tête li pour bon travail li déjà réalisé en matière sécurité mandé cela ou qui en complicité avec quelques autorités malhonnêtes dans ville là ressaisio. Mais n'est-ce pas oublié, l'homme fait parler de la 6 et 7 du soir, on ne peut pas prendre la récemment. L'homme n'est pas pour plaisir, sous carbone, mais dans la rue, pour mettre la peine ensemble. Maître X Sylvain fait révélation ça yo, lundi 3 mai 2021, pendant le tap recevoir corporation journaliste Ujba, dans quatre dossiers qui opposaient journaliste CI Dossé à responsable Stopma Jean-Aubert Pierre, sous la mort docteur Dulensky Souverain Durandis, qui a marché lentement, ça qui poussait journaliste là, mettait en question travail autorité judiciaire. N'a pas signalé invitation qui était adressée à journaliste CI Dossé, reportée à la huitaine à cause les empêcher. Nixon, Denis, depuis CEMAC pour Radio Caraïbe. Merci en pile, Nixon. Organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti, félicité Conseil supérieur pouvoir judiciaire, l'an, CSPJ, qui rejoignent plusieurs organisations de Wamoun pour dénoncer en même temps protester contre méthode Office protection citoyen utilisé pour désigner représentant secteur de Wamoun dans CSPJ. Coordonnateur général OCNH lan rappelé protecteur citoyen maître Renan Edouville li violé tout principe yo dans cadre désignation Rémi Edmé comme membre cabinet président conseil électoral là Guiland Bezadieu comme représentant secteur de Wamoun dans CSPJ. Maître Camille Auxilus fait qu'on est, maître Renan Edouville décide de violer article 13 qui créait OPCA pour satisfaire choix politique par les nationales qui a fait tout ça qui possible pour intégrer moun qui pas honnête dans le système judiciaire. Reportage Winchell Adrien. Non, soit pour désigner représentant secteur à voile dans CSPJ, responsable OPCO, il n'y a pas honnête dans l'action opposée, il n'y a pas sincère dans ce qu'il dit. C'est dans ce niveau ça, M. Camille Auxilus, principal dirigeant organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti, mesuré degré moralité, dirigeant office protecteur citoyen, dans choix moun qui t'a supposé représenter secteur de moun dans conseil supérieur pouvoir judiciaire. Pour supporter différentes organisations Douamoun, parmi eux, plateforme organisation haïtienne Douamoun, commission épiscopale nationale justice et paix, RNDDH, FJKL, CONAN, BAI, pour citer ça seulement, qui dénonçait choix OPCA, maître Camille Auxilus, féliciter CSPJ, qui finalement adressé une correspondance by dirigeant Office Protecteur Citoyen Yo, sous choix ça, qui traînait d'elle en pile suspicion. CSPJ n'est que confirmé, ça nous dit. Parce que nous te dit déjà, nous dit, c'est une démarche qui fait de manière clandestine, lui fait avec un pile coquin, et c'est des gens qui entendent yo, puis yo violé la loi. Et si c'est nous demandé à CSPJ, nous demandé à l'organisation yo, lui assumer les responsabilités yo. Et je veux dire, nous bien contents, nous applaudissons. Bon, qui dans CSPJ yo, qui agit en responsable côté yo relevé irrégularité qui gagne en dans démarche ou bien élection mascarade responsable OPC mettez avec différentes l'autre organisation qui dit dans secteur yo organisé pour nous-mêmes qui sont élections clandestines une élection qui pas répondre avec nom yo pour désigner représentant Douamoun cap gain pour intégrer CSPJA.
dans l'Office protecteur citoyen, le processus là était très vicié et même truqué depuis dans Basli, selon dirigeant OCNH là. Aucun principe pas respecté et même article 13 section S qui créait office là t'est foulé en papier. Aucun dans organisation qui gagnait reconnaissance légale yo pas jamais participé dans élection pour faire choix représentant secteur a. Dans niveau ça coordonnateur au CNH là attribué choix protecteur citoyen yo fait de Edmé Rémy membre cabinet président conseil électoral présidentiel là Guillaume Mesadieu a un choix politique pour satisfaire ambition palais national. Donc c'est des choix pour seulement satisfait par le national parce que je dis à on a une situation côté administration Jovenel Moïse a tellement fait démagogie et tellement fait corruption yo apprenant dans quel niveau yo capable mettre des monde dans appareil judiciaire là en façon pour machine impunité à continuer à valider pour corriger ça les irrégularités qui était taché processus désignation représentant secteur Douamoun pour intégrer conseil supérieur pouvoir judiciaire maître Camille Otilis conseiller protecteur citoyen yo reprendre processus élection pour respecter loi qui créait non seulement office protecteur citoyen yo mais tout loi qui créait conseil supérieur pouvoir judiciaire Winchel Adrien Caraïbes FM. Merci un pile Winchel Adrien sous Caraïbes FM, 6h53 minutes. Donc, toujours un monde qui massé par pile et par macon devant Radio A. Mon problème, ça n'a pas dit depuis sous temps Bengo. Depuis dans son jeu diable, t'es caporal. T'es toujours un problème, ça. Je dis à diable privé général, pas besoin pas l'eau. Si on moun comprenne que nous-mêmes, nous avons une solution à tout problème, n'a pas dit désolé. Et ces derniers jours, nous venons tellement agressifs, nous frappons vite machine très fort, quoi, son cob. Nous venons mais nous, bah, kembe pour vous, venez chercher. Et même si son cob n'est pas nous kembe, bon, j'en pour t'a fait ça, pour nous t'a préparé pour vous, pour nous t'a dit qu'il est, n'a pas disponible. Donc, moun qui venait, aide pour l'enterrement, aide pour maladie, papier prescription pour acheter médicaments, kaye qui bout, l'école qui pas ka payer kanek pour ka pran comme pour faire petit commerce pour retirer tête pour brasser donc nous pas ça sous responsabilité nous franchement nous frapper avec des très mauvaises portes parce que comportement nous qu'on y a vinn faire nous même patience pas nous vinn on tient en bout parce que nous tient vinn agressif donc n'a dit ou que pour meilleur côté pour nous capable faire problème y arriver. Si nous avons fait un bout, nous fait la lane, fait le devant CAS, par exemple. Et plus qu'on est, problème. Nous fait nous monter dans la rue Manier, nous faisons coup beaucoup les gens dans l'affaire sociale, nous massons. Parce que l'autorité a passé la plus souvent. Mais Riel Chavan, beaucoup d'autorités pour aller vous mettre tête Riel Chavan. Sauf si vous avez vérifié le conteneur, ou comment vous êtes en bas. Là, Riel Chavan n'a pas mis à voir. On les nous combler la papille pas macon et puis j'en a pas la moun comme si son l'argent l'état ban nous pour nous baou on veut quoi ba nous on mon gagne côté grand matin il faut quand même dire bonjour même il montre est-ce qu'il pas capable nous 25000 goud mais il mettait en 25000 goud joine ban moins pour mal brasse quoi j'en minimiser 25000 goud là elle pas connaît pas connaît qui travaille ou passer ou même avant ou récemment, comme si 25000 goud là pour lui même des difficultés pour lui mais pour où vous voyez mal non mettons 25000 goud ouais je vois vous mal comme si machine là toujours machine quoi ou gain ouais ben donc on y vit franchement insupportable bon gain capacité par exemple car madame Zaha qui est avec nous en studio son tri et nous t'étendit et causé ça déjà et donc son causé on maman avec papa petit ou attendre li li pas capable dominer au Cacherline Etienne qui t'a vive la Kaili dans bloc Bidet dans quoi des bouquets et puis on dit Febride Soukou de rivé dans Soukaila m'a dit 20 avril 2021 pendant yon dans profond sommeil bloc minuit donc li même dépendant dit fi a gen temps fait des gars pour le faire hein. Il est en chapé pour le lit avec petit bébé ça que nous ouais non mais là amis auditeurs donc ironie du sort il était gain deux petites garçons là une 6 ans l'autre là 3 ans qui au même t'a dormi dans espace
dans chambre en dedans là donc n'a pas entend courir Maria était dans profond sommeil c'est lui-même qui souqué Maria bon, malheureusement donc lui-même Maria avec petit bébé ça gain la vie sauve mais dès l'autre petit garçon yo 6 ans à 3 ans yo passé en bas flamme du feu quand qu'on est donc les passe en studio on cas comme ça nous pas capable attendre madame Charline Etienne bonjour. Bonjour. Parlez plus sous micro en français. Bonjour Caraïbes. Mm-hmm. Donc vous venez dans la radio c'est en fonction du sacré vieux mardi 20 avril bloc minuit ça qui t'est passé expliquez nous non. On du fait qu'il était pour environ de minuit non mardi ça veut dire pendant que nous t'avons dormi aussitôt que nous levons et nous venons pendant et puis moi Kayla explosé avec du feu on caille de ses chambres tant qu'on baguette en chapé nous deux petits garçons une 6 ans une 3 ans qui mourent par rapport au bébé ça était en bas tété mais ça fait que dans cour sorti à toute scène dehors en bas du feu à ta voltige sous nous et puis nous t'avons volé en dedans Kayla nous t'es sorti des games et marchandises non tant que monsieur qui t'a fait on prêt dit encore non mais un bon samaritain qui t'a prêté l'encore mon prend la banque qui t'a prêté là-dedans et puis c'est dans comme ça nous t'a dégagé nous ça veut dire non seulement gain pour nous remettre corps et puis avec marchandises nous pas de temps fini guider nous pas de temps fini bailler ben dit tout à fait tout tracé ça que c'est monde qui m'a raté sous moi avait dit m'a gagne endroit où m'a dormi ça c'est dans la rue moi Kayla boule net Kayla boule parce que Kayla boule tout en la vie de net Kayla boule donc c'est ou même avec Mario avec petit bébé ça gagne la vie sauve oui avec deux trois monde qui était dans son cas nous qui était enfermé deux trois locataires qui sauver mais ça veut dire tout à fait au boule pas grand monde qui sauver rien du tout dans Kayla rien du tout. Donc pas d'un absortiant, donc pas de moyen pour nous être capable de passer dans la chambre de l'autre des anges. Pas de moyen, ça veut dire Jean Kayla construit, ça veut dire son seul endroit où sortir, ça veut dire debout en dedans, ça veut dire on son seul porte lié, ça veut dire si chambre Kayla avait deux portes, une qui dit condamné, l'autre pas devant sous l'arrière qui était nous utilisé, ça veut dire c'est pas là pour nous passer. Dit faire battre nous le temps, ça veut dire nous pas comprendre Jean fait ça. De l'autre timonio yo na mokunya. De l'autre timonio par rapport mon pas gain mesure même. Ça veut dire dans le tribunal, le tribunal nous fait une papier ça, dès qu'on l'autre papier, tout est ramassé tous ossements. Parce que pas de gain, c'est des corps, moi-même d'avoir mis dans le morgue, le film n'est pas gain, pas passé. Ah, vous êtes en brûlé? Ça veut dire que vous êtes en brûlé, ça c'est papier. Et dès l'autre timonio, même dès qu'on l'autre premier papier, non même, nous avons ramassé et mort, ossements morts, je nous suis enterré. Ah, nous enterrer? Oui. Nous ramasser et puis enterrer là pour là? Ah bon? Côté nous enterré au quoi des bouquets toujours pas des bouquets même, dans même zone là même zone mais pas bon là car là nous enterrons dans l'autre et dans l'autre petit quartier dans zone ça dans enterré et dans but des but des sept zone but des et la car là dans la mairie on te dit que nous te baillons encore pour qu'à faire enterrer quoi des bouquets même pas de gants gourd même toi même je m'en ai toi même là pendant c'est un bagon gourd dans même. Nous sommes obligés, c'est un monde dans une zone qui a un cimetière qui te fait un petit ossement, qui te fait mal en terre. Donc, Kounia, ou la gué, des bois pendiers, des bois balancés. Donc, nous avons des timonio. Je ne sais pas, maman, je ne sais pas, mais tout ce que maman, je ne sais pas, ou bagay, ou ta gon force, ou mon ta gon monde qui est capable de bagay ensemble avant, je ne sais personne. Le final avec comme ça que nous te prêter, ça veut dire bon, faut nous remettre et faut nous bagarre tout. Bon Dieu connaît. Marou ensemble avec vous là, Marou ensemble avec vous dans la rue. Bon, monsieur a pas fini, non, monsieur jusqu'à maintenant, bon, laissez bon Dieu bon force, même jusqu'à maintenant, monsieur ça pas porter le bien, dit tout, pas porter le bien. On l'est traumatisé de ça qui arrive. Par rapport de ça qui arrive, et puis avec dette là qui est en tête, les tout, il pas porter le bien. Et moi qui ai du courage, moi de bon Dieu force, parce que nous sommes prier, moi de bon Dieu force, qui fait bon Dieu rétablir une bonne force pour me faire un peu. Donc, on y a côté avec un petit bébé ça là, qui a formé. Côté, c'est un serme qui m'a égaté,
mais il est dans une petite chambre car il est vraiment coincé, un espace qui est coincé, mais c'est un cousin Maria qui était bas le côté pour te ménager, déménager tête là. Ça veut dire c'est pas bon côté, moi descendre moi-même moi dormi. Ni où, ni Mario. Oui, c'est pas bon côté moi. Nous y est là actuellement. Oui. Ah oui, différence c'est mardi 20 avril là, différent oui, éclaté. 20 avril. Je dis, on nous pas connait. Gain l'autre caille qui était boulé, beaucoup trop là. Son seul caille là. Caille pour là seulement boulé. Caille là même donc. Avec la cour, il y a une barrière même mien par rapport de tombement de terre, mien t'est écrasé, c'est ça le fait. La cour en genre, il gain les liberté, il gain libre. Pas gain courant dans caille là pour dire c'est un choc électrique, c'est pour un défi accidentel. Pas de fou, pas de baleine allumée, rien. Simplement, nous, quand là, c'est trop différent. Différent, vous, tu j'en dedans, et puis là, c'est comme ça, désastre en fait. D'après moi, c'est ton défi criminel, c'est nous, t'as visé directement. Bon, d'après moi, nous avons pensé ça parce que nous pas de baleine, nous pas de rien allumé en dedans, là, du tout. Nous sommes qui toujours prudents, depuis que nous pas dormir, nous toujours éteint tout à fait. Nous toujours prudents. Même téléphone, pas utilisé pendant ma dormir. Ok. Eh bien, Charline, qui est ton numéro de téléphone, non? Qui est ton numéro de téléphone? 37 23 97 37. 37 23 97 36. Le téléphone m'était brûlé, téléphone, ça veut dire son petit boîte. Moi, je te fais un cadeau, c'est lui, moi, utilisé, c'est normal. Mais c'est petit boîte qui n'a même. Bon, c'est que si ça dit à l'eau, on va parler. D'accord, Madame Étienne, du courage. Voilà, ça veut dire que nous avons attendu des témoignages. Charline Étienne, merci. Qui t'a vivre la Kaili, bien propre, avec famille, Maril, petite Lé. On dit fait accidentel, mardi 20 avril, nous dit accidentel provisoirement, puisque il est beaucoup capable de joindre origine dit fait ça. Eh bien, éclater la caillou dans plein sommeil, lui-même. Avec Maril, petit bébé ça, nous avec lui, avec deux petits garçons, il y a 6 ans, 3 ans, mais des gars différents ont fait, puisqu'il était dans profond sommeil, le temps pour réveiller, l'échapper pour lui, il sauver petit bébé ça, Marie a échappé, mais des l'autre petit garçon, qui était dans l'autre chambre, en tant qu'elle a 6 ans, 3 ans, il a passé en bas flamme du feu quand on est, à tel enseigne, même funérailles qui n'est pas fait, c'est une autorisation de la mairie, lui enterrer Zosman, donc qui était passé, une histoire vraiment, oui. Vraiment triste. Vraiment triste. Et bien, petite précision, donc alors la police, il était passé à Anel Joseph, il m'a regardé là, moi, me suivre en tenue. Et prisonnier. Ok, me rappelez. Oui, me rappelez. Et demain. Ah, on m'a décolleté sous lui. Hugues Mouin souhaitait faire un petit parler de ça, la demain, police. Oui, demain matin. Oh, demain très bien, Hugues. Oui. Très, très important. Oui. Lancement, mardi 4 mai 2021, à Port-au-Prince, on s'est parlé sur le système alimentaire dans le pays d'Haïti. C'est une initiative coordination nationale sécurité alimentaire CNSA qui visait éliminer l'insécurité alimentaire dans le pays. Sorti, quoi est là pour arrivé l'année 2030. D'après responsable CNSA, le processus ça qui lancé journée madian visé permettre gagner bon genre réflexion qui fait sur pi bon moyen pour arriver couper insécurité alimentaire dans pays. En suivant reportage avec Lydie Alexandre. Conjonctif socio-économique et politique pays d'Haïti a fait face dernier jour ça yo, c'est une nan source augmentation misérable qui gagne dans zone reculée yo. Gagné environ 4,6 millions de monde dans le pays d'Haïti qui n'a grand goût d'après coordination nationale sécurité alimentaire. Pendant temps ça, en pile monde frappé en bayon série maladie tout, toujours à cause problème grand goût. Dans l'idée pour lutter contre insécurité alimentaire, coordination nationale sécurité alimentaire lance une activité brasser l'idée sous système alimentaire dans le pays d'Haïti d'après coordonnateur CNSA. Armel Kazo fait connaître processus ça capable de permettre CNSA contrôler grand goût d'ici l'année 2030. Nous lançons un processus qui visait à réfléchir. D'abord, gagner des voies, des pistes d'action pour commencer à mettre et faire des mises en place pour que à l'horizon 2030, pas dans ça nous y est là. Bon, essayer de manière progressive que nous sortions dans ça nous y est là. C'est pas une baguette magique qui dit bon, nous gagnons 4 millions de monde dans l'insécurité alimentaire. On frappe baguette là sous table.
servir demain si Dieu veut, tout le monde a bien mangé. Non. Progressivement, mise en place, programme, plan, tout le monde met ensemble, ressources bien utilisées, etc. Et puis, pour nous avancer. Regardez le système alimentaire qui est lié avec l'ensemble de l'autre secteur. Secteur santé, secteur environnement, secteur création d'emplois, secteur éducation, etc. Ça veut dire qu'il y a des liens. Eh bien, sous ou bien chita ça, avec en liaison à toute l'autre chose, eh bien, ou capable d'avancer beaucoup plus bien, ou pral avancer beaucoup plus bien. Pour arriver à contrôler grand goût dans le pays d'Haïti dans l'année 2030, c'est un défi pour coordination nationale sécurité alimentaire. Mais comment un pays côté votre monde dépend en majorité produits importés et aide humanitaire a capable baïté l'objectif pour finir à grand goût dans l'année 2030, monsieur Kazo? Tout ça fait partie de problématiques posées. Des réflexions ou la donne, l'autre la donne nous dit ça. Ça veut dire que chaque monde fait proposition, nous mettez, et puis nous chita, nous dit, mais ça a bon pour Haïti pour nous sortir dans dépendance alimentaire, dans insécurité alimentaire, de manière graduelle, nous sortir là-dedans, pour nous sortir dans la question de femmes enceintes ou bien femmes qui ont été. Donc c'est tout ça qu'on a posé comme problématique, aspect environnement, aspect changement climatique, et pour nous gagner un plan global intégré. Permettre nous attaquer différentes causes. Gagner en pile activité qui prévoit pendant mois mai tant qu'on rencontre avec l'autre secteur pour brasser l'idée sur ça qui gagne pour eux à grand goût dans le pays d'Haïti, travail pour joindre un plan tête ensemble qui ca aider coordination nationale sécurité alimentaire river atteindre l'objectif li qui se fini à grand goût dans l'année 2030. Lydie Alexandre, Caraïbe FM. Si vous écoutez dans le Malekong, la République Dominicaine, il fait 7h08, mon cap écouté dans Haïti, dans Port-au-Prince, sous Bicentenaire, il fait 7h08, même le sous Iléa, Alexander Galvez, ou avec nous, on a démarré avec un dossier qui est pour la rivière Massacla, puisque tout, ou jusqu'à matin, hein, journal dominicain, a continué à parler de ça. Haïti, un projet au niveau de rivière ça que le partager à la République dominicaine, soldats dominicains ont été obligés de prendre position dans le périmètre rivière là qui s'est passé et nous au courant gouvernement haïtien a porté dossier dans l'autre niveau qui évolution qui gagnait qui problème d'abord qui gagnait avec rivière ça rivière Massacre qui est très historique pour deux pays. Yo. Exactement. Et bonjour Pérenel, bonjour Guerrier, bonjour Bob, bonjour Manjouel. Et hier, il y a une mission de développement dominicain qui c'est Orlando Jorge Mera. Et il y a une grosse déclaration. Il dit bon, pour il n'y a pas besoin de parler. Parce que eux-mêmes, comme Dominicain, comme l'État, ils ont un traité qui a été signé avec la Dominicaine depuis 1929. Et côté rivière Massacre, toute rivière qui sépare l'île là, deux pays. Yo, eh bien, il n'y a pas une question pour tous les. Ça veut dire que dans l'article 6 et l'article 10, que c'est interdit pour que la République dominicaine et Haïti tout, t'en prend, t'en dévie rivière, c'est interdit. Et lui dit, ça va étonner et tout, bon, il fait silence sur ça, mais la main dominicaine, bon, d'abord nous connaissons l'environnement dominicain, nous ne savons pas jouer, et puis il a campé la main, c'est suite à que l'État haïtien, mais c'est l'agriculture haïtienne, eh bien, il a fait une déviation de rivière. Eh bien, après tout, la Chambre des députés hier, et pour nous, ça vous dit, bon, attention, parce que si que l'État haïtien prend rivière, il rentre à l'Haïti, alors, bête, dans le bord d'abondant, eh bien, qui ça va pas venir utiliser l'agriculture? Mais là, on débat. Là, notamment, le ministère de l'Intérieur haïtien, s'il est au courant de rivière, ça. Non, c'est le ministère de l'Intérieur. L'agriculture qui non, qui, non, qui, non, qui là, qu'on a la rivière. Oui, hein. Mais là, il quitte quatre ministères et l'agriculture, ça, c'est le ministère de l'Intérieur, parce que là, c'est en fait de l'État qui a parlé. L'État met en question, est-ce que l'État haïtien, est-ce qu'Haïti par exemple gardé ça a été signé en 1929 là? Ou il y a Orlando Jorge Mera qui c'est environnement, il est débarqué. Mais tout mes environnement ici, débarqué dans la bonne rivière Massacre pour la garder, et bien de quoi il en est? Mais je dis à la Pierre René, c'est pas son gros évolution qu'a fait dans la bonne là. Pourquoi l'État autour d'Haïtien? Parce que vous avez mis ça dans l'environnement. Est-ce que vous connaissez ça? Vous avez mis ça tout de l'agriculture. Bon, lui-même vous connaissez ça, mais qui ça fait? Et le ministère de la Défense haïtienne tout doit prononcer parce que le ministère de la Défense dominicaine, depuis hier, eh bien, il a passé de l'autre formel, eh bien, pour ouvrir les zones ça, parce qu'il a dit non. Alors, autour de pas nous, pas réussi de quitter le président, est-ce que au courant, qu'il y a un d'arbonne qui existe, mais est-ce que tu es au courant, qu'il y a un roi qui existe, et côté rivière, ça nous connaît, rivière, ça, on rivière, non seulement
l'état haïtien pas pas le côté à faire travail là là il t'a regarder mais parce que pas billet c'est dans espace on seul jusqu'à 15,000 compatriotes nous t'est tombé sur et tout il y aura et me pas croire c'est pour ta honorer mémoire moun sa yo c'est un canal de l'eau dans un moment côté Haïti il y a un pile problème et donc c'est moi, vous seulement rapporter et poser